Bonjour, je suis Raptoror, donc pour le site VRT20. Je voulais vous présenter mon troisième unboxing. Il concerne Assassin's Creed 3. Donc c'est un jeu que tout le monde attend cette fin d'année. Pour cette occasion, je vais m'attaquer à l'édition Freedom, qui est super tendue à avoir ces temps-ci. Si vous êtes aussi une des rares personnes à obtenir ce pack, gardez-le précieusement parce que c'est franchement vu la taille qu'elle a déjà. Allez, je mets ma main et regardez l'épaisseur, elle est énorme. Donc je vais commencer par l'ouvrir. Alors cette fois je prends le cutter parce que vu comment il est bien ficelé, je sais pas le déchiqueter comme un fou. Allez, sorti, édition Freedom. Ah oui, là c'est le contenu de tout le pack que vous allez voir directement en vidéo. Bon, si ma lightbox me lâche pas déjà. Alors, comment je vais faire ça? Oh là là, ça c'est chiant, j'aime pas les packaging comme ça. Déjà, j'enlève le cutter parce qu'il fait moche. Donc, édition Freedom, te voici. Te voici, te voilà. Bon, comment t'ouvrir, saloperie? D'accord, ok. Bon, je vais faire comme ça. Écran blanc. Temporaire. Ok. Oui. Oui, parce qu'en fait, fallait faire ça. Donc je crois que j'ai pas trop le choix. Hop. Et donc, je vous le remets. Ça va. La prochaine fois, je prendrai une plus grosse boîte pour faire ça. Après, ouais, je repositionne mieux. Donc, édition Freedom. Bon, par contre, je vais l'enlever. Il prend trop de place pour ce que c'est. Alors, bon, je commence. Déjà, un petit problème encore. Bon, je vais faire ça. J'ai pas. Non. Je vais le ressortir, le remettre. C'est n'importe quoi ce pack. Donc, du coup. Oui, parce qu'en fait ma lightbox elle est pas si grande que ça pour ce que c'est. Donc oui, ce petit bout là. Genre sur l'air, c'est pas bon. Donc du coup, on était. Donc Assassin's Creed 3 édition Freedom contient pas mal de quelques petites choses. Contre par exemple ce steelbook. Steelbook que vous voyez. Et il contient que dalle, donc le jeu doit être à l'intérieur. Mais par contre, il est beau des deux côtés, franchement, il pète. Moi, je m'en souviens, celui de Assassin's Creed Révélation, il était du même style. Donc, on va chercher le jeu quand même. Et le jeu, tu es là, et il y a autre chose encore. Alors, on va tout sortir en même temps. On en est. Aïe aïe aïe, il va me plaire celui-là. Il va me plaire celui-là. C'était ironique, c'est ça évidemment. Bon, je vais te mettre de côté, puisque t'as l'air plus beau. Toi aussi. Bon, l'idée d'avoir mis une boîte pareille. Bon, par quoi je commence? Pas plus simple. Donc, édition standard. Ah, je trouve plus grand chose. Donc, édition standard. Pas casser la tête. Pas casser la tête non plus. Ici, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une jolie enveloppe. Qu'est-ce que ça contient? Ah ah! Les lithographies respectives. Bon, paradin et lac 2. Super. Non, du coup. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça doit être le bouquin qui représente toute l'histoire du jeu, vu que ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Mais quoi faire? Bon, rigolons pas. Je pense que la pièce maîtresse que vous attendez, c'est bidule. Donc, par où l'ouvrir? Aïe, je coche. Oh putain. Cutter, où tu es?
Oula, attention. Bon, alors, comment tu vais t'ouvrir sans trop de dégâts? Ah oui, ils ont tout fait. Ah ah. Ouais, je sais pas trop vous y mon truc. Attention. J'ai pas mis partout quand même. Eh putain. Non, j'ai oublié là. Ah, c'est bon. Ah bah voilà, putain. Je vais crever. Ah, tu vas sortir. Putain, c'est un packaging de merde. C'est incroyable. Ah, je vais peut-être y arriver, hein. Ah là là. Monsieur Connor. Avec ton petit drapeau de ouf. Je me fais une joie de t'enlever. T'as même petit bâton qui va avec. Bon. Ah, mais c'est super chiant en faire. Ah, mais donc, on va me faire celui-là. Bon, j'en ai fait. Attends, déjà, on va voir si je peux braquer. Voilà. Ça va mieux, je pense. Donc, voici Connor Kenway. Alors, je peux faire un zoom. Avec plus de netteté, c'est encore mieux. Donc voici Connor Kenway en figurine. Donc sachant que j'avais déjà eu un cosplayer très connu dans la communauté cosplay. Donc vous voyez beaucoup très souvent dans mes galeries, il s'appelle Seth. Donc là, je crois que je peux l'inaugurer en tant que figurine avec son joli drapeau. Drapeau de chez... Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces gens? Donc d'accord, putain, je vais venir fou avec ce truc, hein. En plus, bon, ça va, c'est pas un vulgaire drapeau, c'est quand même un truc super dur. Alors, ce petit bâton va servir à planter. Alors, comment ça marche? Alors, ouais. Ah voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Si tu pourrais bien le planter, putain. Ah putain, voilà, je vais réussir. Bon, c'est bien de mettre ce drapeau. Mais où le mettre? Alors. Ah bah je crois que j'ai trouvé là. C'est le petit point. Le petit point, alors. On va dézoomer. C'est ici, hein. Ici, hein. Faut le trouver quand même, hein. Il est ridicule, hein. Allez, on va le mettre dedans. Ah, j'arrête de le planter en une seule fois. Eh, putain, mais je sais pas comment ils ont fait ces gens là. Ah putain, il faut bien le planter, hein. Bon, en plus, dans quel sens? Super. Ah, saloperie. C'est pas possible. Bref, hein. Non. Je crois que tous ceux qui ont vu la vidéo ils ont crisé, quoi. Oh là. Non mais il tombe à chaque fois, c'est pas possible. Bref, on s'en fout. Donc voilà. Voici la figurine tant attendue de Assassin's Creed 3 pour Connor Kenway. Donc je vais essayer de rassembler tout le pack en même temps. Ah non, faut pas que tu tombes, toi. Donc recule un petit peu, toi. Bon, un peu mal mis, mais bon, vu ce que c'était, je vais pas s'en rendre compte non plus. Donc, un steelbook, lithographie, attends, c'est mieux là, plus de lampe, alors, plus rien. Attends, je vais mettre comme ça, voilà, c'est mieux. Donc du coup, je disais quoi, lithographie, deux pauvres lithographies quand même, voyons. Allez, je vais juste rejeter, voilà, c'est mieux. Deux pauvres lito quand même, hein. Et le jeu standard. Mais bon, belle boîte quand même, hein. Mais bon. Et pour compléter, je vais avoir l'édition John or Die. Donc j'espère qu'elle va moins me. Elle va moins me coûter. Bon, je vais l'avoir à 60€ le 80. Bon, ça va. Donc bah, moi j'aimerais bien m'y mettre à 5 et 3. Donc dès que j'aurai la version John or Die, je crois que je vais m'y mettre. Voilà. Donc j'espère que ceci vous a plu. Donc voilà. Allez, passez une bonne journée, au revoir.